on is what it is. For my son and son, for my daughters, yeah, it's for my twin. I work through the night, I do what I like. Get a check, I go for the ride. I've been down a ride for the win. Still move on the hush, never run for none of it. Hello les abonnés! Salut à tous! C'est reparti pour un tour! On est sur la route, on vient de partir de Villette d'Anton. Et puis on se dirige tout gentiment au golf de Montauban. Pour le Montauban Ladies Open. Épreuve du Letas, comme le terme en chaîne Open. Je vais un peu plus filmer les parcours de reconnaissance pour qu'il y ait un petit peu plus de golf. Vous l'avez vu dans l'intro, on a pu filmer les 4 derniers trous du tournoi, du dernier tour. Donc merci beaucoup à Cani Golf, l'ancien coach de Sarah d'ailleurs, d'avoir filmé. Son lien sera dans la description. En tout cas, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce sera la fin, du coup c'est un petit peu par ordre chronologique. Je sais pas si on entend les interactions qu'on a, j'essaierai de mon mieux de retoucher un petit peu le son pour qu'on entende le mieux possible. Mais en tout cas voilà, restez jusqu'à la fin de la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Allez, retour à la vidéo. On va tout donner, hein. Et on vous tient au courant. La pause des athlètes. Devinez où on est les gars. Devinez. Je vais vous dire tout de suite. McDonald's. Bon, et ben on est bien arrivé. Merci beaucoup à celle qui nous accueille dans sa maison très gentiment. Et là on sera dans l'année. Le match. Zverev contre Dimitrov. Comment fait-elle? Une grande pelle là. Look, I gotta watch my back, I gotta watch my back. Dodging demons, coppers, oppers probably hate me cause I'm black. I don't know, I be spreading love, sometimes ain't mutual. Just a seed that's from that darkness, but that's what it takes to grow. Still in flow, still in motion. Couple homies with me and we sipping on that potion. Why don't wait for dreams, why these other niggas nosing? Sur tous les greens, on fait une petite compète de putting. On prend un putt de entre 3 et 10 mètres et on annonce un certain nombre de pompes. Si je le rentre par exemple et que Sarah le remet, ça annule. Si je le rentre et qu'elle le remet pas, elle doit faire les pompes. Si personne ne le rentre, personne ne fait de pompes. C'est un petit challenge pendant la reco pour la rendre un peu plus agréable et un peu plus fun. Je viens de rentrer un putt qui coûtait 22 pompes. Et elle a essayé de le rentrer derrière pour annuler. Elle n'a pas réussi. T'en as combien là? 9 10 10 11 Ah ouais, elle continue, je pensais qu'elle les séparait un petit peu en série mais... Je vais en faire 15. Allez 12 plus 3 13 14 Aïe aïe aïe, c'est bon ça. 15 Bravo. Why these other niggas dozing? Shut the fuck up when the realest niggas spoken. The realest niggas spoken, yeah. I gotta watch my back. Bon là il y a un sérieux problème parce que Sarah elle me fait des paris sur tous les trous de potes. Et il y a une nouvelle règle. Si on la rentre pas, en fait il y a 5 pompes pour celui qui est plus loin. Et comme moi je peux être beaucoup mieux que Sarah, oh ouais. Et ben c'est elle qui prend les 5 pompes. Il y a énormément de réussite parce que je vais prendre le bord du trou. Donc là ça fait 5 pompes sur le trou d'avant. On va continuer comme ça hein. Ah. 4, 5. Oh, j'en peux plus. On va filmer quelques trous de reco pour vous montrer ce que c'est une belle reco. Où on joue qu'une seule balle et on score. Non, c'est pas comme ça une reco. Trou numéro 12, on est. C'est un par 5. Ouais, on est à moins 12. Vous venez de voir le drive, c'est un dogleg droite. Du coup, l'idée c'est de se placer un petit peu plus à gauche parce qu'il y a une rangée d'arbres. Hors limite à droite, donc il faut se passer un petit peu à gauche pour avoir un petit peu l'ouverture. On peut pas le toucher en deux, donc bois 3 pour la pousser. Fade. Un petit peu en fade et puis pour avoir un wedge. Un peu à gauche du 135. Ouais. Ah ouais. Donc 107 drapeaux, 103 entrées. On joue pour 110, rencontre. Nice.
c'est les positions de drapeau pour les jours, pro-am et les trois tours. Donc on imagine des situations et on peut être vers les positions de drapeau. 50 pompes. 50 pompes et 5 pour le plus loin. Mais j'ai jamais la bonne vitesse, enfin la bonne pente, ça m'énerve. Tu vas faire 50 pompes. Ou alors tu vas au moins en faire 5 quoi. Tu vas faire 50 pompes. Oh là 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 là, c'est long. Bonhomme. Par 4 d'aglet gauche, elle vient de faire un petit draw magnifique. Très beau drive, 93 mètres. Un petit peu des soucis d'alignement en ce moment, donc stick d'alignement sur le parcours. On est en reconnaissance, tout est permis, faut faire ce qu'il faut. Non, bas du club. Ouais, beaucoup mieux ça. Ouais. Bon contre, hein. C'était pour 30 pompes, aïe 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 aïe. Tellement forte. Eh ben David, on fait 5 pompes. Allez, 114, du rough, drapeau à gauche là-bas là. Mais c'est pas possible, je fais des talons. C'était pas mal en vrai. Oui, mais je fais des talons. Fais voir. Point de pompe. 100. 100 pompes. Pour tout là-bas. Balle. Ah, c'est court. J'ai une chance. Moi, là. J'ai une chance. Allez, allez, 1, 2 et 5, ça commence à forcer là. Hein. Allez, petit putt de 1,5 m pour 20 pompes. Yes. Prendre soit 20, soit 5, moi je te le dis tout de suite. Je peux faire 5, mais par contre je les ferai pas aujourd'hui. Hein. Donc là, elle a pris 25 pompes. Parce que c'était évidemment la plus loin et j'ai rentré. Donc 25 pompes de plus, elle va plus avoir de bras avant le tournoi. C'est ballot ça. Je t'autorise à les faire après le tournoi. Parce que je suis gentil. Allez, t'insiste. 10, 10, 5. Oh là 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 là. 1, 2, 8. Allez, 9 et 10. La moitié de la sentence. Mais ça va pas. Mais ça va pas. Mais toi aussi ça va pas. Je pense qu'il t'en reste un peu. Allez, je suis en mode folle. Oh là 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 là. Bonne année. Merci. Oh là là. C'est infernal hein. Mais c'est toi. Oh. T'abuses hein. Viens princesse Sarah. Tour numéro 1. Let's go, buddy. Let's go, let's go. Il fait assez beau. Apparemment, il va y avoir des orages, un peu de vent. Mais bon, on est préparé. Showtime. Showtime.
Bon, pas une très bonne journée. Plus 3, beaucoup de ratés à gauche. Elle n'est pas très bien dans la balle, mais il y a du potentiel. Je pense que demain, ça peut être beaucoup, beaucoup mieux. On va essayer de jouer en fade toute la journée et éviter un petit peu les ratés à gauche. Conditions très difficiles aussi, il y avait beaucoup de pluie. Mais bon, c'est pas des excuses du tout. Elle aurait dû mieux faire, mais on verra demain. Hein. On verra demain. T'es pété, mes coquillettes. Sarah, David. Oh. Un bijou. Bien joué.
Mon dieu. Oh, c'est encore pire. Tu souris. Bon alors, début du troisième tour, moins 2, pas de bogey. C'est pas mal. Ouais. Tu finis 14e. C'est bien. Deux jolies parts sauvées. Elle finit 14e, elle débute le tournoi à plus 3, 57e. Ensuite, après le deuxième tour, dommage pour la fin, 3 bogeys, 16, 17, 18, trop dommage, parce qu'elle était moins 4 après 7. Et ensuite, aujourd'hui, moins 2, pas de bogeys. Elle part de 57e à 14e. Donc c'est top. C'est une belle progression, c'est un beau tournoi. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. On va sûrement en refaire, hein. Il y aura d'autres échéances qui arrivent. Et puis, on se voit à la prochaine. J'espère qu'elles seront meilleures. Toujours. Ciao. C'est sûr. Yeah.